Bonsoir et bienvenue dans le 18h01. Ce soir, je suis en compagnie de Pierre Vigneault. Nous allons parler d'un important trafic de cocaïne qui vient d'être démantelé à Limoges grâce aux gendarmes de la section de recherche. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Alors, c'est un trafic qui avait lieu entre la Guyane et Limoges. Donc, en gros, des mules, ce qu'on appelle des mules, c'est-à-dire des personnes qui transportaient la drogue venaient par avion, qui arrivaient par l'aéroport d'Orly. Et acheminer ensuite la drogue vers Limoges. Plus de 3 kilos ont été saisis et plusieurs personnes ont été interpellées à Paris et sur Limoges. D'accord, donc ça signifie la fin d'un important trafic à Limoges. C'est ça, puisque la tête du réseau a été arrêtée et mise en examen, ainsi que son adjoint. Et également une mule et une personne qui devait acheminer la drogue de Paris jusqu'à Limoges. Merci Pierre. Et c'est un sujet donc à retrouver dès demain dans votre journal et également sur le site du Populaire.